Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce stream sur Final Fantasy, comme on est en train de prendre l'habitude en soirée. Alors ici je me suis fixé comme objectif peut-être un peu irréaliste, peut-être, on va peut-être chaîner donjon, ça ira vite, d'être level 45. Ce soir je commence le stream un peu plus tôt que d'habitude, j'en ai la possibilité, je suis bien installé dans mon nouveau environnement. Donc pour le moment on a un fond qui est quand même assez dégueulasse, puisque c'est le mur tel qu'il est. Ça va changer, je suis en train de regarder pour voir un petit peu, pour pouvoir mettre un fond vert, on sait jamais. Donc voilà, ça va se faire petit à petit. Ici on va reprendre notre quête principale. C'est parti. Bah, la quête principale, ce sera dans quelques minutes, il faut encore que je sois level 41. Donc, les donjons rapportent pas mal. On va se mettre en recherche. On va se mettre en recherche aléatoire. C'est au sous-sol. Et on va essayer de maximiser un peu les revenus. Ici, j'ai un bonus tank. Je vais partir là-dessus dans un premier temps. Voilà, ça proc assez vite. On va pouvoir tester les nouvelles macros en donjon.
fait éjecter de la plateforme. Ça aurait été marrant, tu vois. Je me demande si c'est faisable dans le jeu. Je pense pas. Jamais à l'abri d'un petit glitch. Il y a un mec qui bum dans le groupe. J'aime pas. Ça va, il y a un excellent DPS. Énormément d'XP, donc c'est un donjon assez bas level.
je le fais juste parce que j'ai un bonus à la fin vu que j'ai Dragon Tank. Mais il va falloir que je fasse des donjons plus haut level si je veux pouvoir les utiliser pour monter 45 aujourd'hui. Ou au moins pour pouvoir monter en niveau suffisant pour pouvoir faire la quête principale. Je viens du loot. Ok. Ça c'est galère par contre. Et j'ai pas le groupe avec moi, ils sont quoi? Allô? On va licher un petit peu. Ah merde! Ah, je suis nivelé au niveau 16, j'ai plus de vie du tout. Bon bah, on va compter sur le heal. Hein. Quoi, vous voulez faire la pièce là? Allez, alors. Il y a qu'un mot. Voilà, on vient de niveau.
bon, tout le monde est prêt. Parfait. Let's go. Victoire. Oui, parce qu'il a bien joué. Alors, niveau but temps. Je prie Cupi. Ok. Allez, on continue. Il fait chaud, on s'hydrate. J'ai vu quelque chose briller, c'est juste un élémentaire de glace. Je suis déjà quasiment...
enfin level 41, donc ça sert quand même, de faire un aléa, je veux dire, les missions qui sont proposées ici. Donc les missions aléatoires gain de niveau, on vient de le voir, c'est clairement intéressant. J'étais dans un donjon qui donnait absolument pas d'XP en termes de mob bashing. Par contre, les gains d'XP en fin de, bah, en fin de donjon, plus le bonus, vu que j'ai tagué en tank, ça a été quand même, enfin ça fait quasiment 50% de ma barre d'XP, ce qui est non négligeable. Donc ici je vais pas retaguer en mission aléatoire puisqu'elle est déjà faite. On va partir sur le dernier donjon ici. Je vais peut-être pas taguer en permanence parce que je sais que techniquement j'aurai que 5 minutes. J'aurai que 5 minutes d'attente en général, donc je vais pas faire que du donjon, mais le but c'est vraiment d'être level 45. Et de continuer la quête en parallèle. Donc on va quand même éviter. Je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais pas partir tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais faire une toute petite pause, parce que je vais avoir des gens qui vont transiter dans la pièce. Donc je vais laisser le compteur passer, on va commencer la quête, enfin la quête principale que je viens de prendre, on va la commencer. Je ferai une pause de 3 secondes juste pour dire bonjour, parce que bah, c'est la politesse. Et puis après on se retrouvera et là on fera du tryhard. Là ça va rouler. Tout va bien. J'écoute au cas où un de mes petits bouts serait en train de pleurer en haut. Parce que je suis le seul adulte responsable dans l'appart. Pour le moment. Faut que je fasse les deux. Bon, si tu insistes. Eh, c'est super les macros en fait, ça permet de se concentrer sur une touche, mais au final c'est un peu moins... C'est un tout petit peu moins tendu, quoi. Parce qu'elles se font automatiquement, je sais que j'en ai pour au moins 7 secondes et demie pour reposer mes petits doigts. Donc c'est un peu... Ah ah, vigile de pierre, nouveau donjon. Évidemment la quête principale m'amène justement à un donjon. Au moment où je ne fais pas de donjon. Alors, description du donjon. Perché dans les hauteurs de la mer des nuages... De nuages. La cité de Zijgard a toujours été confrontée aux attaques des dragons. Et c'est lors d'un assaut particulièrement violent de ces derniers que sa forteresse est la plus importante, le vigile de pierre, et je sais pas lire, tombe. Elle est devenue depuis un repère pour ses créatures et leurs semblables. Ne pouvant laisser cet affront impuni, la maison Durandaire, l'une des plus nobles familles isgardaises, a mobilisé ses chevaliers et s'est lancée dans une croisade pour reprendre l'ancien bastion. Mais les combats sont âpres. Et tous les renforts sont les bienvenus. C'est moi les renforts.
Enfin, ça, le reste des détails c'est typique. Ce qui est bien, c'est que c'est un niveau level 41 et qu'on va pouvoir le spam, mais comme pas possible. Par contre, je vais le faire pour la première fois, il faudrait que je sois vraiment concentré. Et pour le moment, je n'ai que ça. Voilà, je vais hop, faire une toute petite pause et on se retrouve dans 3 minutes. Et voilà, on est de retour. C'est parti. Ouais, donc 5 minutes d'attente comme c'était prévu. On va profiter pour aller faire des quêtes annexes. Je vais voir si je peux taper. Ici, pas de quête. Pas de quête. Là, il y a une quête, c'est pour. Je sais pas. On va aller voir. Hein.
Non, je joue pas à WoW. C'est Final Fantasy XIV. Je vais la prendre, on sait jamais que c'est. Ah, ça fait 5 000. Ouais, je vais la prendre quand même. On va voir si en changeant mon équipement j'ai quelque chose. Ouais, si. Accès autorisé, forteresse de démarrage. Ah ah. Là-dessus maintenant, il m'autorise à prendre le bijou en maîtrise. J'y capte plus grand chose. Ok. Nouveau donjon. Niveau 44. Parfait ça. J'ai déjà fait toutes les quêtes de la zone. Ou alors il y en aura juste après aussi. Moins de 5 minutes. Oh, il n'y a même pas de heal ni de DPS. Quoi. Mais où est Maxou et Meo quand on a besoin d'eux? J'ai pas spécialement envie de le lancer par contre. Et je vais partir en donjon. De la faction, j'espère qu'en tout cas, enfin pas de la faction mais de la compagnie, j'espère vraiment que c'est pas que des quêtes qui sont destinées à faire du PVP parce que sinon ça va grave me saouler. Pourquoi il y a un symbole là? Je sais pas. Alors on va en... Qu'est-ce qu'il y a? Gridania, non, forêt de sombre linceul, Gridania, ah oui. Thank you.
pour voir les questions sur la map. Excellente question. Forêt de l'Est, forêt centrale, vestige de la cité d'homme d'Apoor. Là, j'ai jamais fait les quêtes là-bas. Enfin, je sais pas. On va aller voir une petite seconde voir s'il y a des trucs intéressants à faire là-bas. Ok, donc les quêtes s'affichent effectivement. Quand on est dans la zone. J'ai pas l'impression qu'il y ait la quête pour lancer ce donjon là. La quête que je viens de faire qui me donne accès au donjon que je viens de débloquer, donc qui est la forteresse de Tzemael, c'était une quête bleue. Et en plus, or ici c'est des quêtes toutes simples, donc ça va pas être intéressant. Et là on part sur la Tonalan, pardon. Mais j'en reviens. Ok, donc là on est au Quertas. Je dois faire ce donjon là. Et je vais aller voir si je peux aller jusque chez. Dans la ville. On va aller visiter. Là. Salut à toi, Méo. Il y a un souci avec ton pseudo. Il est étrange. Je me suis dit que tout allait bien parce que j'ai vu que tu avais le Prime. Il est devenu japonais, oui. Et tout le monde arrive en même temps, c'est magnifique. Magnifique. Je me demandais justement où vous étiez passé parce qu'on attaque du lourd. On attaque du lourd. Non, ça a rien changé. T'es toujours en japonais. Si c'est du japonais, je vais faire confiance à Maxime puisqu'il est plus nippon que moi. Étrange. De quoi donc? Ouais. J'ai changé mon pseudo, c'est normal, d'accord. Et que nouveau ce changement de pseudo? Besoin de passer inaperçu? Une ex à éviter? Vas-y, explique-nous un peu ce qui te pousse à te fondre dans la masse nipponophile. Oh, t'es peut-être un japonais qui parle français de base et en fait tu renoues avec tes origines. Tellement de questions que j'aimerais te poser. Bon, je connais pas le donjon par contre. Je suppose qu'il faut ramasser des... Ah, c'est quoi ça? Il est fou là ce dragon. Il est fou. Ok. C'est moi le tank. C'est moi que je tank. Ouais, je suis souvent sur les streams. Donc j'ai juste japonisé. D'accord, ok. Et je suis mort. Je suis mort. C'est quand tu commences un donjon quand je me co... Bah ouais. Ouais. Bah, écoute. Au pire, je le termine vite fait. Comme ça, je le découvre. Et puis après, tous les deux, on va les farmer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon level 45. Donc il me reste 3 bons levels à faire, ça va être du farm. Donc je pense que je vais quand même
me mettre un peu sur les donjons, tout en continuant la quête principale. Donc, si tu veux te joindre à moi, tu es le bienvenu, tu es le plus que bienvenu. Ça fait toujours plaisir. Oh, cette salle me rappelle une salle d'en haut, tiens. C'est rigolo. Ok. Draco et Bich. Parle japonais, mais ou il parle anglais, ouais, ça dépend. Bon, on peut avancer. Hop. Boum. Wow. Ah, je suis impressionné. Par passion ou pour le travail? Ou les deux. En général, pour apprendre une langue comme le japonais, faut déjà être passionné. Ouais, les deux. D'accord. Donc tu es un grand malade. On l'est tous. On a tous une passion qui fait qu'on est des grands malades. Moi, c'est la bouffe. Et sinon, je t'ai pas demandé comment vous allez. Parce qu'on est directement rentré dans le vif du sujet à cause de ton pseudo, mais... Eh, je suis tout seul. Mais mon équipe, allez... Moi, je vois un mob, c'est pour le buter, quoi. Si, je suis chez moi, c'est ce que j'avais annoncé hier. On a refait un peu l'intérieur de... Enfin, on a refait un peu l'intérieur. Disons qu'on a changé la disposition de mon bureau avec le meuble qui était ici. Donc en fait, je suis toujours dans la même pièce, c'est juste que je suis dos à un autre mur. Un mur qui est censé être uni-blanc. Et prochainement, il devrait y avoir un... J'adore quand tu salues mon bot, c'est trop marrant quoi. Et prochainement, bah, j'espère mettre un fond vert, comme ça je vais pouvoir un peu avoir une esthétique au niveau de la cam un peu plus sympathique. Et donc en attendant, c'est fond blanc. C'est mieux comme ça. Bah, je suis content. Et on remarquera aussi la qualité sonore grâce à toi, n'est-ce pas? Il a changé son installation. Ouais, moi, ouais. Enfin, j'ai pas vraiment changé mon installation. Disons que ma petite femme me soutient à fond dans mon entreprise. Dans ma petite entreprise. Ma petite entreprise. Elle connaît pas la crise. Et donc, elle m'a octroyé avec moult générosité un petit espace de travail dans un coin de la pièce. J'ai été écouté effectivement sur la rediff d'hier, j'ai regardé un peu la différence, ouais y a pas photo. Disons que le filtre qui est applicable sur OBS est prévu pour OBS, donc il fonctionne nettement mieux que mettre le filtre par après de Windows, ce qui est nettement moins optimisé. Donc oui, j'ai été écouter la différence et elle est flagrante. Bon, tout le monde est ok, on attend que le heal et régène. J'attends. Hop, allez, go. Parce que je vois qu'il y a des précédents histoire. Ah, j'ai pas mis mon tanking. Hop, ça va peut-être aider en fait. Tu as tout mon soutien, merci. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi ça, c'est quoi?
Shudo Yudo. Tu prends cher, ouais, je prends cher. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'arrive pas à faire monter ma jauge. Ah si, voilà. Mais reviens. Reviens. Mais ça, c'est parce que t'es pas en heal avec moi. Hein. Je prends cher uniquement pour ça, en fait. Ok. Bon, lui, il est pas mauvais. Allez, level up. Action, homologue. Les plus grosses attaques ne peuvent réduire vos PV à moins de 1. Ouais, ça, c'est un gros. À 2 minutes près, ça me tue. Comment ça, à 2 minutes près, ça me tue? De quoi tu parles? Il va falloir que je règle mon bot parce que j'ai peut-être mis en mode un peu trop agressif ce soir. Je m'attendais pas à ce qu'il... Enfin, c'est pas parce que j'ai lancé un donjon sans toi que je peux pas t'attendre pour le suivant. Si tu sais te connecter, joins-toi à moi. Allons ripailler ensemble des tripes de nos ennemis. C'est une expression campagnarde. Comme le pâté, en fait. Next. Okay, on va essayer de remettre par ici. J'ai l'impression que lui est obligé de sortir le doigt du... Enfin, du fondement. C'est bien. C'est un petit stress test hein, pour voir s'ils sont aptes à aller plus loin en fait. J'ai été payé par les développeurs. Ok. Next. Il est très joli ce donjon. Mais il me rappelle vraiment un que j'ai fait sur vous en fait. Plus rien du tout. Voilà. 3 minutes.
3 minutes de cooldown, ça va être chiant. Ça. C'est le seul inconvénient des macros, c'est que je sais plus me situer dans de quelle partie de mon cycle je suis. En fait. Il faudrait que je mette mes sources sur le côté, mais au final, c'est pas. Ça, c'est un peu con parce que je perds tout l'intérêt de la macro. Fouette cocher. Putain, mais pourquoi il y a plus d'Auros? C'est pas syndical. C'est bien, les donjons commencent à être un peu plus techniques. Qui c'est fait qui apparaît? Peut-être t'as la moitié des Auros qui sont plus inscrites au sol, quoi. Impatience le combat contre le boss final parce que ça va être rigolo. Cuirasse en mitrille éthérienne. Ouais, je fais besoin parce que je suis un pauvre petit sans le sou. D'un autre côté, les macros permettent, pendant qu'elles se font, de claquer tous les CD défensifs. Et ça, c'est bien. C'est assez bien. Parce que, en tant que son CD défensif, c'est comme une frite sans frites. Ils ont un gros net. Ouais, ils ont un gros. Allez, s'il vous plaît. On focus pour pas. J'ai jamais vu ma vie faire autant d'aller-retour. Pardon. C'est bien. Lui il est bon. Va falloir que tu fasses bien hein, Maxime, parce qu'il va falloir arriver à compenser ça. Attention.
cinématique. Et regardez, c'est l'entreprise. Et je clique pas. On va rester sur cette phrase épique. Et oui, il y a un énorme dragon endormi nous en sépare. S'il est endormi, tu passes à côté, tu démarres les moteurs après avoir poussé un petit peu. C'est un dragon ou un poulet géant? Ah non, c'est un dragon. Il est joli. Contentons-nous de l'éviter. Nous sommes ici pour l'aéronef, rien d'autre. Ouais, tu voulais faire quoi? Tu voulais étudier la reproduction des dragons? Si, nous allons nous faufiler à bord de l'entreprise et nous préparer pour le décollage. Techniquement, s'ils inversent, ça voudrait dire qu'il faut dire nous allons nous faufiler à bord de l'entreprise et nous préparer pour le décollage. C'est plus comme ça. Par contre, imagine que le dragon, il s'appelle aussi entreprise. Et que nous restons ici et garder un œil sur la bad boss, toujours pour moi. Le plan apparaît, bah ouais, c'est ça. Alors elle va se séparer en deux groupes de deux. Alors nous, on va là-bas où c'est safe, et toi tu restes ici devant la gueule du dragon. Bah d'accord, hein. D'office. Hop, je lance la suite de toutes les suites. Alors, ouais, allez démarrer l'entreprise. Genre, il passe tranquille, peinard. Et regardez, je suis en Space Marine. Le méchant, je veux m'attaquer à Garuda. Hein? Les coéquipiers t'attendent quand même. Bah ouais, je sais bien, mais regarde, le méchant, on va lui laisser un peu de temps pour se téléporter. Mais oui, mais les ennemis, ils font toujours des monologues, et puis ils sous-estiment le héros. Parce qu'il y a un H à héros, faut pas l'oublier. S'il y a un seul mortel capable de remporter la victoire face à la divinité des rafales, c'est sûrement toi. Merci. Merci. C'est gentil de croire en mes capacités. Enfin, pour cela, il va déjà falloir que tu sortes vivant d'ici. Arrête de faire des monologues trop chiants. C'est jamais qu'un gros lézard. Tu le démarres ton truc. Il va quand même pas invoquer un démon en plus d'une dragon. Je suis trop badass pour crever, moi. Nous allons voir à quoi vont te servir tes damnés pouvoirs cette fois-ci. Non, en fait, c'est toi qui as les pouvoirs damnés. Moi, j'ai les pouvoirs de la lumière. Ils suivent rien, non seulement ils font des monologues, mais ils suivent rien, c'est marrant. Par contre, ces espèces, leurs yeux au dragon, on dirait qu'ils ont des gros yeux vitreux, tu vois, du style. Je reviens de. J'ai fait attendre tout le monde. Ah ouais, mes coéquipiers m'attendent. J'avais oublié que j'étais en donjon. Fuck. Oups. Je le ferai plus. Je vais arrêter de raconter des conneries. Eh non, reviens, on était en train de te latter la tronche. Oups. Barrez-vous. Barrez-moi. Ouch. Ah ouais, atterrissage, faut pas être sur son... sur son postérieur en plein atterrissage en fait, parce que sinon bon, ce jeu est un réalisme. Tu n'auras jamais la victoire sur moi, je suis un héros avec un grand H, enfin une grande H. Quelle heureuse coïncidence, n'est-ce pas?
devrais t'attaquer à quelqu'un de ta taille. Ça me fait espèce de voir ton pseudo japonais qui se pointe. C'est j'ai l'impression de... Oh, ok, d'accord. J'attire les foules outre-Atlantique. Si on va de l'autre côté. La terre est ronde, donc je me trompe pas forcément. Donc, 1. Éviter les AOE. 2. Éviter son queue l'atterrissage. Pourquoi? Oh merde! Bon, c'est fini, ouais. Non, merde. Chier. On peut pas voir où il atterrit. Bléon. Ah, ça me saoule. Tiens, bouffe-toi ça, bouffe-toi le pouvoir de ma colère. Perds le pouvoir des cartes et de l'amitié. C'est l'heure du duel entre un dragon et un ancien bègue. Ah ouais, c'est la transcendance qui vient de claquer. Ok, good, good. Ah. Il y a longtemps que je n'avais pas buté un nouveau... Un nouveau boss. Ça fait jamais qu'une heure 14 que je suis en train de leveler et je suis déjà à la moitié de mon objectif. J'adore. Bon Maxou, maintenant que t'as fini de râler, viens en donjon. Méo, quand tu seras revenu du Japon. J'accepte ta demande dès que mon PC aurait fini de charger. J'espère que j'ai pas... Tu peux m'inviter aussi. Maxu. Bon, j'espère que j'ai pas croqué mon câble par contre. Mon câble internet. Ça me saoulerait. A priori... Ah, c'était juste parce qu'il y avait une cinématique. J'ai de beaux yeux quand même. Du cristal. Et je... Quoique, pas tout de suite, j'ai pas fini mon travail. D'accord. C'est quoi ton travail? Si je peux poser les questions. Ah oui, si jamais, tant que vous êtes là... Voilà, je viens de recevoir... Attendez, je vois si je suis bien cadré. Je viens de recevoir le boîtier que j'avais commandé... un peu à la va-vite. Donc voilà. Donc ici on fera un petit stream, comment dire, qui sort un peu de l'ordinaire, dans le sens que bah je l'offrirai à quelqu'un qui l'aura mérité. Je suis prof de violon et de solfège. Ok. Et quand tu dis que tu finis ton travail, c'est que t'es en train de finir un truc sur ton bureau, ou bien que tu es en train de finir avec un élève? Parce que je suis très flatté si tu me passes en direct avec tes élèves. Que t'es le mode. Et donc, je tenais à exprimer, comment dire, le fait que je pense que j'ai raison quand je dis que les développeurs de Final Fantasy ont eu des problèmes avec la drogue, parce que quand on regarde les informations PEGI à l'arrière, on voit que c'est PEGI 16, ça va, j'ai plus de 16 ans, il y a de la violence, logique, c'est un MMO, mais il y a des drogues aussi, des drogues. Y'a rien d'autre, hein. Y'a juste violence et drogue.
Donc je suis sûr. Bon, évidemment, je vous montre ça, mais il y a un reflet, donc vous avez rien vu. Mais j'ai des preuves. Quoi, je suis avec mes élèves, on travaille, d'accord. Mais donc, ton argument se mord la queue. Si tu es en train de finir un travail, ça veut dire que tu es en train de finir un élève. Si tu ne finis pas un élève, c'est que tu n'es pas en travail. Corrige tes examens. Ah ouais, t'es un vrai prof en fait de vraie école. T'es pas genre le mec qui fait ça sur le côté un peu. Tu vois, le mec qui vit dans sa forêt et qui prend de temps en temps un élève sous son aile. C'est quoi le jeu que t'as montré? Bah c'est Final Fantasy XIV en fait, parce que j'ai fait une petite erreur quand j'ai voulu passer en version payante. Je l'ai acheté en pensant que c'était la version numérique, et donc j'allais recevoir la clé pour pouvoir faire les mises à jour et le lancer le lendemain, sauf que je me suis rendu compte, en recevant le mail, que je recevais pas le code d'activation, et qu'en fait c'était la version physique que j'ai reçue hier. Donc j'allais l'avoir dans le Luke Skywalker pendant au moins 3 jours, donc je l'ai vite racheté en version numérique, donc ici je l'ai récupéré. Donc je pense faire dans le courant du mois prochain un petit concours sur un live que je ferai sur Final Fantasy, et à la fin il y aura un gagnant qui le remportera. Il y aura peut-être un deuxième et un troisième prix, ça dépendra du nombre de participants. C'est la version starter. Je sais pas si tu la vois comme ça. Je sais pas, je vais essayer de l'orienter pour ne pas avoir de... Attendez, je regarde sur mon retour vidéo. Voilà. Je le rapproche un petit peu. Voilà. Bon, j'ai 10 secondes de décalage, donc il faut que... Hop. Ah voilà. Bon, je peux l'avoir l'Enterprise maintenant. Enfin, merci. Ouais, c'est vrai qu'au final, je sais pas. Au pire, si tout le monde l'a déjà, vu que la plupart des gens avec qui je suis en stream actuellement, Tiramaxou et toi, vous l'avez déjà, il va falloir que soit je démarche des gens qui ne l'ont pas, ou soit. Je sais pas en fait. Je sais pas si le code permet juste de rajouter 30 jours de jeu, auquel cas ça vous arrange. Auquel cas, si c'est pas le cas, je vais peut-être devoir me le faire rembourser. Parce que je l'ai pas encore ouvert. Donc je verrai. Mais j'aimerais bien remercier les gens actifs sur mon stream. Et je suis. Trop de la balle. L'entreprise qui est un vaisseau d'exploration, il a une scie circulaire à l'arrière pour explorer des nouveaux mondes. Ah bah voilà, mon boot vient de dire exactement ce que j'avais prévu. Donc dès que l'objectif des 5 subs est atteint, j'organise un petit concours pour gagner un accès à Final Fantasy. Ouais. Donc ça ne peut pas servir à alimenter un compte déjà existant. Ok. Bah, peut-être que je vois, parce que si j'attends les 5 subs, ce qui n'arrivera peut-être pas avant un an, la date de retour sera peut-être passée. Par contre, je sais pas, il faut que je m'organise ici, comme je viens de commencer la semaine. Enfin, cette semaine-ci, c'est une première semaine de reliberté, vu que je n'ai plus d'obligation pour le moment professionnelle. Je dois m'organiser. J'aimerais bien, vu que je viens de réorganiser un peu mon espace de travail, j'aimerais bien organiser aussi, pas un organigramme, mais un horaire de... un planning, voilà, c'est ça le mot, un planning de ma semaine pour voir un peu comment je m'organise. J'aimerais bien faire un peu du sport aussi. Donc je vais intercaler tout seul. Voir quand je fais... poseur. Je vais vous dire que 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 je vais vous dire
Est-ce que j'aurai les commandes de l'Enterprise? Oh oui, on va faire du franglais. L'Enterprise. Voilà. De l'Enterprise. Ah, c'est plus facile à dire, Enterprise. J'arrive. Sérieux? Il va faire un portail dimensionnel? On va passer dans le warp pour aller combattre les démons. Les cristaux corrompus sont des manifestations d'éther surchargés que l'on trouve à travers Eorzea. Depuis que le fléau a perturbé l'équilibre élémentaire de la planète, ces cristaux oranges sont partout. Ouais, des cristaux oranges. Ok. Ok, donc moi je vais aller faire la quête pendant que vous êtes en train de sticker le pont, quoi. Maxou, tu peux me réinviter dans le groupe si tu veux, si t'es pas trop dégoûté, si t'es pas trop aigri comme un cornichon. En attendant, je vais me rendre. Hop, oh, c'est juste à côté d'un TP. Leaderball. Si jamais tu peux inviter Méo, je sais pas si tu l'as dans tes contacts. Parce qu'il avait dit qu'on pouvait l'inviter. Ah, non, t'étais en train de terminer ton taf. Préviens-nous quand tu veux qu'on te groupe. Parce que là, ça voudrait dire qu'on ferait un donjon avec un heal, un tank et un DPS sûr. Donc là, si ça proc pas en 8 secondes, j'y capte plus rien. Excusez-moi, je vais pas monter sur votre comptoir, madame. On ne se connaît pas encore assez pour cela. Allez. Non, mais... Qu'est-ce que c'est ça? Invitation. Non. C'est quoi ça le Link Shell? Accepter l'invitation dans la charge. Ok. C'est quoi une... Ah, c'est une formation groupée prédéfinie, un truc comme ça. Je t'ai mis chef d'équipe pour inviter Mia. Ok. De conversation. Ok. Ah ouais. LS1. Ok. Cool. C'est un canal de discussion expressément dédié à ma personne. Bah écoute Méo, tu me dis quand tu es dispo et je t'inviterai. En attendant... Merde, je suis paumé dans ce bâtiment. Et tout se ressemble. Elle est où l'entrée? C'est
pas l'entrée, l'entrée elle est là. Je peux pas sauter, non. Je suis bloqué par un comptoir. Un vulgaire comptoir. Alors, quelle était la suivante? Je veux pas dire MM. Donc, je vais aller parler à l'érudit là-haut, sur la montagne. Par où est-ce que je... C'est pas par là en tout cas. Il y a plein de quêtes partout. Je sais où. Attends. Niveau 18, je vais pas faire ça. Niveau 35, il va me falloir une zone pour faire des quêtes inter-épopées. Votre niveau est supérieur de 6 niveaux, de toute façon je vais pas m'arrêter pour faire l'aller. J'ai une quête épique à faire. Bizarre parce que maintenant j'ai plus à devoir tourner la tête pour voir ce que fait ma femme, elle est directement en face de moi. C'est cool, j'adore, je pourrai la surveiller tout en streamant. C'est marchand en tripotant. Sérieux, je pensais que j'allais parler au... Allez, Rudy, ou... Où qu'il est, les Rudy? Hé, hey, Rudy! Merci, c'est dans le Coertas pour mon niveau. Oui. Oui, mais j'ai déjà fait toutes les quêtes dans le Coertas où j'étais. Parce que sinon, je ne montais pas de niveau. Il faut juste que je me déplace. Il y a deux Coertas et il faut que j'aille dans le deuxième, en fait. Donc, sans stress aucun. Alors, tiens, ton pot de chambre. Coucou. Tu vois, Mamel elle a appelé son chocobo d'une manière, comment dire, décalée. Elle l'a appelé Nugget. Apporter le pot enduit à Sako au viaduc. Bon, bah direction le viaduc. Méo, tu es dispo pour qu'on puisse lancer un donjon ou quoi qu'il y ait ici? Je sais même pas si t'es connecté en fait. Non, tu n'es pas connecté. À ton aise, je suis pas pressé. Au pire, on peut en lancer un juste avec Maxou. Dis-moi quoi. En plus. On a accès au Discord, donc... Si c'est utile, c'est pas obligatoire. Et comment je fais pour atteindre ton truc? C'est pas le moment de tomber. De chambre enduit.
sera encore mieux quand ce sera un fond vert. Pour mon anniversaire, à mon avis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chemin bizarre? Ouais, c'est des poilus. J'entends pas avec le casque. J'en veux un pour mon anniversaire, d'accord, ok, je t'en ramènerai un. Merci. C'est joli. Ah ouais, il est en dessous. Ah, quelle connerie, je vais tomber sur des mobs et je vais... Ah, je peux pas tomber. Sérieux. Faut que je descende, je suppose. Les poilus, si je me souviens bien, ça te heal si tu es blessé et que tu passes à côté. Oh, c'est trop mignon. Oh oui, c'est trop mignon. Comment je fais pour descendre de cette horreur? Ah là, tu viens de m'interdire de les frapper, quoi. Il y a un mec en train de pêcher. Le Seigneur te punira. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Bon, on va se faire les deux blaireaux là. Utiliser un pot enduit sur le fragment de cristal corrompu. Le pot enduit de quoi? Apporter le pot enduit rempli à Cassana. Il faut tout remonter, quoi. Je peux pas me TP? Ouais, je pourrais me re-TP là, ça irait plus vite en fait. Hop. Allez, à 42 ici. Tu es où? TP. Non, fallait me le dire avant. Désolé Maxime, je suis une telle déception pour toi, je le sais bien. Je l'ai dit avant, mais tu ne me lis jamais. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste que je dois lire deux chats différents et que tu utilises le mauvais au mauvais moment, c'est tout. Voilà.
Mais je le ferai plus, c'est promis. Je vais d'abord checker celui-ci, parce qu'en plus, vu que c'est un link shell, c'est écrit bien plus visiblement que avant. Donc je te promets de faire un effort. Arrête de mettre des smileys tristes, ça me stresse. Y'a Méo qui te dit coucou, fais Valérian. J'ai entendu des sons bizarres. Oui, elle papillonne entre le PC, la télé, son GSM. Elle est multitâche. Elle est multitâche, mais une tâche à la fois en fait. C'est ça qui est beau. Bon, en fait, si on résume, c'est une femme avec des compétences de mec. Les hommes, ils connaissent pas le multitâche, non? C'est pour ça qu'on a inventé un PC, en fait. Il fallait concurrencer la jointe féminine. Son taf aujourd'hui, c'est bien. J'ai cru que t'allais dire c'est pour ça qu'on a inventé la femme. Ben non, on n'a pas inventé la femme. Femme, elle s'est inventée toute seule. Elle n'a pas besoin de nous. C'est triste. Apporter le produit à Port-aux-Alpes. À Port-aux-Alpes. Voilà. Moi, à la lecture, je refais un peu tous les textes en fait. Un ou plusieurs équipiers ne peuvent pas se téléporter. Pourquoi tu peux pas téléporter, Mitsu? Si j'ai de nouveaux équipements qui seraient plus intéressants. Oui, et pas qu'un peu en fait. Ah ouais. Je perds un peu mon côté original pour quelque chose de sobre et d'un peu plus passe-partout. Chef d'équipe Maxou, je vais lancer un petit donjon. Je peux pas encore. Ah, tu ne peux pas faire la forteresse de Tzemael. Ça veut dire que j'ai un truc en plus que toi. Donc je vais lancer pour passe à Stachan, la vigile de pierre. Et boum.
si je connaissais les cons qui avaient fait sauter le pont. Ah non, j'étais coincé par un baril cassé. Comment allions-nous faire ? Mal à tomber. Là. Prochain combat, je monte de niveau.
Oh merde. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Dommage. Ah, j'ai loupé la strat. Pas bien. Il y a moyen. Je suppose qu'il faut quand même se retaper le chemin à pattes, il va pas pouvoir me raise. Ou alors j'attends. Je vais t'attendre Maxou, le 3ème raise. Merci à toi d'avance. Maxou en action. Plein de bisous. Je vais peut-être remettre... Ah merde, la potion c'est pendant 10 secondes. Oh scheisse. Tant pis. Non, c'est juste pour un coffre. Bon, ça fera plaisir à Maxou, je ne m'en doute pas. Comment ça attend? Je tords pas, moi je suis un héros, je fonce. Tu m'as dit attends, c'est important, c'est gravissime, c'est vital. Chiant ce drame.
bois beaucoup. Comment ça, je bois beaucoup? Ah, tu veux dire ton mana? Pourquoi j'ai un cooldown de 92 secondes sur mes potions? C'est pas logique. Oui, ton mana. Ouais, je sais pas, hein, tu voulais peut-être insinuer que j'étais alcoolique. C'est pas vrai. Je suis pas un alcoolique, je suis un buveur sociable. Enfin, je dois le dire autrement. Je suis pas un alcoolique, je suis un buveur sociable. Ah, merde, merde, j'ai claqué. Fais chier. Non. Je vais claquer un sort que je pouvais pas... Attire la cible à vous et entrave ses déplacements et les vôtres. La plupart des attaques ne peuvent pas réduire vos PV à moins de 1. Je l'ai claqué, je suis mort. La vie c'est trop dur. Mais les gens sont trop gentils sur FF quoi. Dans d'autres jeux, je me serais déjà fait incendier quoi. Je kiffe ce jeu quoi. Oups. Tout le monde est là, tout le monde est là. Let's go.
Bon, n'oubliez pas de cocher la case de ce boss. Cocher. Deux jeux de mots sur le même boss, mais c'est une soirée faste. En plus, si le boss il est un peu furieux, c'est une soirée fast et une furious. Attention à la strat en action. Voilà. J'étais aggro le seul qui avait rien à voir dans le combat. Je suis un génie. Un génie. Ils font pas mal de dégâts les ennemis. Ouais,
Ouais, ça me sauve. Ah, cool, je dois avoir une autre cinématique. Alors, mon vœu, ce sera de ressusciter tous les morts. Encore. Ah, et si jamais la météo prévoit un vent de ténèbres. Bien, bonjour. Vous éradiquez, vous et votre vengeance. Soumettez-vous à la volonté de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah ouais, bouge. D'école. Allez, on reste en mouvement. On fait gaffe, ah, l'atterrissage nous en met quand même plein la tronche. Où qu'on soit. En fait, il atterrit sur celui qui a l'aggro, c'est-à-dire moi, donc moi je suis obligé de me prendre les dommages, donc il faut que je l'éloigne un maximum. Route, les strats comme ça, ça m'aide à les intérioriser, à les approprier. Il a fait mal là. Décollage. Pas facile
Allez, viens me voir. Décollage. A priori, il refait pas deux fois au même endroit son AO, donc. Mais y'a que moi qui me prends les dommages de l'atterrissage en fait. Donc, en fait, j'ai même pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Ça tombe bien. Oh, je travaille là. Décollage. En fait, pour bien faire, faudrait qu'on se pack tous ensemble. Ouais, un peu comme ça. Voilà, comme ça toutes les AOE sont au même endroit. Je sais pas si... Barrez-vous. Merde. Ça sent la mouette. Merde. Maxou, on va te venger. Par contre, personne n'est capable de 13, toi. Ça, c'est ballot. Bon, je vais... Ah, je peux même pas t'honorer. Ah bah oui, c'est normal. Top. Merci. Ça, c'est des beaux GG, ça. Voilà. Je plus sois. Et bonsoir Ekis, ça faisait un petit temps qu'on t'avait pas vu. Enfin, lu, plutôt. Tu dois te retaper le chemin à pattes. Il faut toujours que tu fasses ton intéressant, Maxou, franchement. Et mais Ikis, tu as résolu ton problème avec ton compte? Parce que la dernière fois qu'il me semble que t'es passé sur le chat, il me semble que t'étais pas encore que t'avais pas encore résolu ce petit problème. J'espère que ça s'est réglé. Yes, le boulot, tout ça, bon, je vois que ça a bien level up, GG, merci. Merci. Oui, bah écoute, ça level bien, là on est en train de farmer un petit peu les donjons. Je vais aller... Normalement, je suis à Port-Royal, je suis déjà harmonisé avec le cristal, donc j'ai pas trop... Non, je vais voir la statue. J'essaye de chercher des jolies statues pour pouvoir mettre dans ma propriété un jour plus tard. Jusqu'à présent, je vais devoir me contenter de boulettes de papier mâché.
Et non, toujours pas, c'est la galère, je suis tristesse. Je triste. Et ta recharge, tu l'as bien mis sur le bon compte, hein, parce que moi quand j'ai voulu télécharger pour le mien, c'était limite si je m'étais pas trompé, tu vois. Donc j'espère que la recharge elle est sur le bon compte. Faut rentrer là? Non, je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer non plus. Bon, j'ai ma dose pour la soirée, passe une bonne soirée. Bah, merci Maxou, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que des petites doses de temps en temps, c'est bien. Merci d'être passé. Et je me dépêche d'atteindre un level acceptable pour qu'on puisse faire des choses épiques. Enfin, plus épiques que ce que je fais déjà. Hein. Là, je suis en train de parcourir le monde à dos de Chocotoff. Mais tu as changé de pièce level up du stream aussi. Level up du stream? C'est-à-dire? Là, tu parles du décor à l'arrière, de l'interface et tout. Ouais. Ouais, en fait j'ai racheté un game et je l'ai ouvert sur un new compte Square Enix, c'est toujours le même problème. Ouais, mais c'est pas normal, enfin je veux dire, tu vas payer tu vas payer beaucoup trop cher pour ne pas pouvoir jouer, il faut résoudre le problème plutôt que continuer à l'enfoncer. Enfin, vu qu'il y a un peu plus de monde, si quelqu'un a une autre idée pour résoudre le problème d'Ikis. Donc si je résume correctement, t'as acheté le jeu, t'as reçu les codes, mais tu peux pas l'activer parce qu'ils considèrent que ton adresse est bloquée, c'est ça? Si jamais moi j'ai eu ça aussi, et en fait la seule procédure que Square Enix demande, je vais voir avec le support, mais c'est bien ça, hein, c'est ton compte au final qui est temporairement bloqué, ou bien c'est un problème strictement lié avec ta carte de crédit? Parce que j'ai eu plusieurs fois le cas au cours de mon passage, je veux dire, de la version gratuite à la version payante. Square Enix m'a bloqué plusieurs fois mon compte, et à chaque fois pour pouvoir le débloquer, je devais juste retourner, faire une modification de mot de passe. Donc c'est pour ça que je te demande, c'est peut-être bêtement ça. On est là pour s'entraider, hein. Hier c'était Néo qui me filait un coup de main pour le son, bah aujourd'hui on va peut-être essayer de débloquer ça. C'est pas que ça m'embête les mecs de faire des allers-retours, mais... Il y a internet quoi. Parce que t'avais déjà essayé de les contacter en plus le support, donc... En plus Maxou qui s'en va alors qu'on allait peut-être faire un donjon à trois. Franchement. Ça vient plutôt de mon framework qui bloque parce que le jeu est bien reconnu, mais je dois voir un truc qui bloque et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. La patience est une vertu exacte. Donc qu'est-ce que t'entends par ton framework? Si c'est t'as pas de
T'as pas bêtement un antivirus qui vient bloquer le bazar, t'as pas bêtement un pare-feu ou un truc comme ça, je connais pas, enfin je sais pas ton installation. Ou au pire tu reboot tout, tu refais tout à zéro et tu recommences. Achète un nouveau PC. Distille antivirus ou lancement admin peut-être, mais CPL, je sais pas. Au pire, si c'est l'antivirus, ce que tu fais, c'est que le temps que tu lances le jeu, tu le coupes. Si tu veux pas bidouiller, aller dans les autorisations et tout ça. Si c'est... Ouais. Si c'est... SPL, ça par contre, je saurais pas, ça ne me dit rien. Si c'est le lancement en admin, bah tu fais un lancement en admin, mais en général, c'est pas... Premières options qu'on fait en général. Je vais virer mon tanking parce que ça va me faire baisser mon DPS. Et je vais quand même relancer un donjon. Et pourquoi je peux pas le faire? Ah, il faut que je sois niveau 44. Ah bah oui. Logique. Bon allez. On va relancer un aléa. J'aimerais bien atteindre mon niveau 45 ce soir. Le problème c'est que j'ai déjà fait ça, donc ça doit être autre chose de plus profond. Et les CPL, c'est les prises courant porteur pour la connexion éternelle. Ok. Là ça dépasse mon champ de compétence. Ah, c'est l'entrée d'un nouveau donjon ça. Je reprendrai ça au calme pendant et repos tranquille. Ouais. Ok. Mais on t'attend avec impatience. Allez, on tente le level 44 avec ce donjon. Donc par contre, avec la nouvelle installation que j'ai fait, il va peut-être juste falloir que je recale un petit peu la webcam, comme ça, c'est chaud. Et essayer de voir après d'autres sources lumineuses parce que ça fait un petit peu sombre quand même.
est bon. Tu n'as pas encore reçu ta formation de tank. Ta forme de tank. Si, je l'ai. Ici, défi. À moins que tu parles d'autre chose que je ne connaisse pas. Si je génère plus d'aggro, j'ai plus de vie et je reçois plus de soins en magie créative. Non, c'était ça, j'avais pas. Ok. Quoi, je vois, le il a l'air méga balèze. On est des fous. Ouais, le huile est bon. Je le garde. Un critique de soin à 1308 quoi. C'est le mec qui balèze. Par contre, je gagne absolument plus rien en XP. En fait, ça sert à rien de spam les donjons. C'est de la merde. C'est bon, tout le monde est là. Zoupala.
rester devant les mecs. Pourtant les strats sont pas spécialement compliquées, je comprends pas. Allez, on a deux morts dans l'île quoi. Oh putain. La strat a rien de compliqué. Pas encore, non, pas encore. Ici mon perso j'ai rejoint une compagnie. C'était juste comme ça parce que voilà, on m'a invité. Mais le but ça reste toujours de pouvoir assembler tout le monde. Donc je sais pas si Maxou va quitter la compagnie libre dans laquelle il est, s'il est dedans. Je pense pas. Ouais, si, c'est le but. Hein. Dès qu'on sait, on le fait. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'est le projet. Va falloir qu'on réfléchisse à un nom. Bon allez, on prie pour qu'ils aient compris la strat. Barbacane. Tout le monde est là? Non. Allez, hein. Les deux qui s'étaient fait poutrer, c'était Nanao et Kimari, j'espère qu'ils vont être un peu plus réactif. Pas de réponse. Allez, on a un certain rendement avec Kiri. En tout cas, sur... Hop. Soin, il claque quand même bien. Ok, il est pas sensible à mes étourdissements, par contre, ça c'est un peu chiant. Mais c'est pas compliqué. Allez, quoi, ça vous êtes pas censé le prendre. Lui, il sait pas faire tout nous, hein. Il a des putains de gros et puis c'est des immunes aussi. Allez. Allez, on suit. On bouge de son cône. Voilà. Là, on fait gaffe au pire au souffle. Merci, c'est raté. Je vais devenir un tank chiant. Pour demander si tout le monde est prêt, ça donne un pop-up. Oui, je me souviens. Je l'ai vu aussi, c'est dans les alertes, mais je pense pas. Je suis pas censé être le leader du truc quoi. Bouge. Voilà, c'est bien. Et pyro souffle. Ah non. Ah, il a fait deux fois d'affilée. Voilà, je suis le seul à me prendre pyro souffle. Ça va, ils ont compris la strat. Hop, on s'est un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est une annonce générale, ouais, je connais. C'est super pratique. Bougez-vous.
on se rebouge, même moi. Voilà. Pire au souffle. Voilà. Il est tout con comme boss, hein, une fois qu'on a compris la strat. Il passe nickel. Voilà. C'est pas compliqué. Sérieux. Oh oh! J'ai besoin d'une. Merci. C'est bien, à force de spammer les donjons, je vais avoir un équipement éthéré incomplet, c'est bien. Allez, go. On va en profiter que l'autre dragon est de l'autre côté. Sérieux, il a été à grosse distance, quoi. C'est un peu abusé, non ? Ce qui m'emmerde, c'est depuis que j'ai commencé ce donjon, si j'ai
absolument quasiment rien gagné en XP, quoi. Il faut croire que les mobs ne font plus rien. Alors qu'à la base, c'est pour ça que je suis ici. Et ça me fait penser que j'ai pas encore fait ma quête pour le level 40, non? Pour ma quête de classe. Après le donjon, j'irai la faire quand même. Alors, est-ce que j'ai encore une troisième vanne avec le nom de ce boss? Vu le prix que ça coûte, c'est cochère. On va dire ça comme ça. Ah merde, il y a du dragon derrière en fait. Grosso modo, c'est un dragon qui garde une pièce où il y a des canons anti-dragon. Puis il me semblait que les dragons étaient un peu plus intelligents que la moyenne. Là, je viens de comprendre le jeu de mots de son pseudo, ça m'a pris la tête. À faire gaffe quand on est... Ah bon, on l'a eu, j'ai claqué mes CD pour nous. Quand on est DPS... Ah ben voilà, encore un truc qui était rien. Hop, bon genre de... Putain, je vais... Ouais bah c'est bon, j'ai plus qu'à avoir tout le reste. C'est ma journée. Mourir avec ça.
claque. Et j'ai confiance dans le heal. Ah, je suis pas si bon. Level 44. Je sais pas si j'atteindrai le 45. Je vois. Juste après le donjon, je fais une petite pause FK bio. Ah bah, le boss de fin est juste devant. Ah non, c'est pas la première phase. La première phase, il pose pas les AOE. Et merde, tout le monde se le prise. Je me suis couré. C'est moi que j'ai merdé. Voilà. Bon, maintenant il faut se paquer. Non. Je confonds.
Voilà. Jamais de le descendre avant qu'il s'envole. Ouais, non, merde, t'es virus 2%. On se pack. Voilà, ça c'est beau ça. On va faire une troisième. Ah oui, il était niveau. Lui, il était niveau 56. Ok. Ok, je fais un petit AFK bio et je reviens de suite.
Ok, je suis de retour, j'essaie de changer un petit peu la luminosité, c'est presque ça, il me faudrait juste un autre spot dans l'autre sens, par contre ça va me saouler en fait. Ok. Je ferai avec. Sirène qui va. Bonjour. Ah, mais c'est Ondine. Relativement canon, l'antagoniste. Non. Je veux pas. Marche pas. Par contre, je peux plus me déplacer. Voilà. On va repasser en DPS. Hop là. Comme. Oh, ça me saoule.
résultats. Mais je ne demande pas mieux. Mais je ne demande pas mieux, vous belle créature de l'océan. C'est quoi ça? Un truc. Ok. Ça t'a fait réellement couper la télé? C'est bon, on peut s'arrêter là. Mission accomplie. Je suis là pour faire de l'XP. Ça monte pas vite.
reste 6 minutes et je suis à la moitié. Je viens de passer la moitié. Ok, XP pour moi. Ça me fait penser que Chocotov s'y attend, il a gagné la blinde de points que j'ai même pas encore attribué. Je vais aller voir ça juste après. On va finir le. On va finir l'aléa. Et puis on va voir si on peut pas l'upgrader un petit peu. Et j'ai 4 PA à mettre. Est-ce que je me rappelle jamais où est le mec qui est censé abalatir? Non, c'était pas là, c'était pas là. Ça, ce sera bien plus tard. Il me semble que c'était Tanalan, pardon. Et c'était Oriental. Je cherche le maître instructeur pour les guerriers. Ah bah voilà. Non, c'est pas ici. Là c'est pour le certissage.
c'est ça? Non, ça c'est pour les maraudeurs. Non, c'est pas ici, ça je suis sûr, c'est pas ici. C'est pas ici car non plus. Non, Limsa Lominsa, c'est pour la guilde des maraudeurs, mais une fois que j'ai choisi le... Enfin, que je suis passé au job guerrier, c'est un mec qui est en dehors d'une ville, et c'est sur une carte, mais je sais qu'ils sont censés être au nord d'Abalatia, mais en fait, c'est pas là qu'il est. Guerrier aussi, sous la cascade. Oui, c'est ça. C'est sous la cascade, et c'est à Limsa. Voilà, jeter de l'entre des loups. Non, je vais toutes les faire. Hein. Voilà, chute cachée. Ok, TP. Hop, boum. Ah, c'est con, je suis à un level près de ce que j'avais prévu de faire. Interjection, inflige silence à la cible, ultimatum, provoque les ennemis alentours et vous place en tête de leur liste. Ça c'est bien. Ah, c'est même mieux que provocation. Mais c'est un cooldown de 90 secondes et ça 40 secondes. Donc ça me ferait 2. Ouais, ça me ferait 2. Ça m'en ferait 2. C'est pas trop mal. Là c'est du mono-cible, là c'est du multi-cible. Comment s'appelle l'endroit de la chute cachée déjà? La chute cachée. Au niveau 46, j'ai représailles réduit de 30% vos dégâts subis, infligés de dégâts pour chaque attaque avec ça, c'est bien. Un cooldown de 120 secondes, faudra faire avec. Par contre, là, je vais aller chercher affranchissement. Affranchissement, bon. Annule la pénalité de dégâts de défi. Ça, c'est bien. Ça dure 20 secondes. L'effet affranchissement prend immédiatement fin si l'effet défi est retiré. Ça, c'est bien parce qu'en combat, ça veut dire que je vais pouvoir claquer un peu plus de DPS. Bon, je prends. Bon, on se met en route. Te dire comment s'appelle l'endroit. Caché. Là où tu es, ça s'appelle comment? Là où je suis, c'est la Nocéa orientale. Nocéa orientale. Les riffs sont... Sanglante, tu as voulu mettre. Oui, riffs sanglante. Excuse-moi. Excuse-moi, j'avais pas vu... J'avais pas vu qu'il y avait des sous-titres. Désolé. Je suis nul en géographie, hein, que ce soit dans les jeux ou dans la réalité. Donc, ne me demande pas plus de noms. Je sais qu'il y avait une chute d'eau. Allez, abrège.
parler au chef de la milice de Porovre. Elle va picoler. Je suis level combien? Je suis level 44. Ah, c'est caché? Où ça se cache? Ah oui, c'est caché. Je suis level 44. Merci. Ok, le maître qui m'apprend les techniques de guerrier est un bipolaire. Oh, il a un joli casque, donc on lui pardonnera. Et une jolie hache aussi.
kiffer, il s'assoit sur un banc et il le pète en deux. Quoi. Alors ouais, moi tout mon mobilier est en caillou. Parce que le caillou ça tient. Ouais, c'est clair. Ouais, je suppose qu'il s'appelle le village là Port au Vin. Pas parce que c'est un port et il y a du passage du vin, parce qu'on serait pas près de la mer, ça prêterait à confusion, on appellerait le village pot au vin. Le village pot de vin. Ça le ferait un peu moins de nom, quoi. Parler à Curious Gorge, et moi je suis en train de perdre ma voix. C'est une quête pourquoi ? La joie de la chasse au trésor. C'est quoi, c'est pour la classe archéologue ? Déchiffrage, excavation. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je préfère une autre classe maintenant. Je veux pas y aller à pied non plus. Je vais passer par la chute d'eau. C'est niveau 45 quoi. Ok, nouvelle compétence. Annule la pénalité de dégâts de défi. La pénalité, elle est de. Les dégâts infligés sont réduits de 20% lorsque l'effet prend fin en relançant l'action. Ok, donc il faudrait que je case. Je sais pas. Ici. Ouais, donc c'est en donjon, si jamais je passe en... Enfin, si je veux mettre un peu plus de DPS sur un boss ou quoi, je peux le claquer. Je claque mon DPS en même temps. Ouais, il y a moyen de faire une petite combo intéressante. C'est marrant. C'est marrant, mais ouais, parce que Yami Kuya qui me dit que tu viens seulement de passer le level 2. T'as changé de pseudo. T'as juste changé de pseudo ou t'as aussi changé de compte. Enfin de compte Twitch. C'est bizarre. Ça me le faisait pas. Ouais. Ou alors c'est le bot qui est en train de se... J'ai juste changé de pseudo. Ok, bah alors c'est que Mikuya ne prend en compte que les pseudos. Ouais, ça doit être ça. Ouais, enfin de toute façon, moi, je l'avais mis juste pour le côté fun, mais c'est pas... Ça ne tient pas compte de toutes les activités, et puis ça se remet à jour de temps en temps. Bah là en l'occurrence, donc... Et puis j'ai vu qu'il me faisait
il me faisait des calculs bizarres parfois, donc il faudrait peut-être que je le désactive au final. C'est pas ce qui est le plus représentatif. Le plus représentatif, c'est le fait que vous soyez en train de papoter sur le chat et qu'on puisse avoir des interactions in-game. Ça c'est nickel. Béon. On va aller rendre la quête là. Le lumier siffletin. Quel refuge? Je dois aller à quel refuge? Forêt de l'Est. Ok. Bah ça, ce sera pour demain. Je vais m'arrêter là. Pour pas déborder trop sur mon petit planning. Comme ça, je fais au moins 6 heures de sommeil. Demain, on est mercredi. Les petits sont à la maison, donc il n'y a pas de stream dans le courant de l'après-midi. Il y en aura un en soirée, de base. Hein. Ça, on maintient, il n'y a pas de souci. J'espère qu'ils vont pas choper une pharyngite d'ici là. Parce qu'avec le temps qu'on a, c'est pas facile de maintenir les petits bouts en pleine forme. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont passés, qui ont pas forcément papoté, mais qui sont passés quand même, ça fait toujours plaisir. Merci à Méo, merci à Ekis, merci à Maxou qui a fait un rapide passage, mais au moins on a pu faire un petit donjon. Donc c'est super sympa que vous passiez, vous continuez à passer. J'espère que les problèmes d'Ikis vont se résoudre prochainement. Et on se dit bonne nuit et à demain. Allez, faites de beaux rêves.